Il a pas kiffé sa game. Allez, yo les mecs, j'espère que vous allez bien, merci pour une petite game. On va tout simplement tester le nouveau shotgun et la nouvelle mise à jour. Je vais vous rappeler un peu tout ce qui a changé. Alors déjà, il y a un nouveau shotgun qui est une sorte de tactique épique et légendaire, qui va faire 87 dégâts dans la tête, 197 dégâts, 196 dégâts dans la tête maximum. Donc un peu moins que 200, mais ça fait quand même super mal. Nerf des shotguns, de guerre. Shotgun de guerre qui perdent en gros des dégâts dans la tête, 0,25 de multiplier dans la tête, mais aussi du coup des dégâts avec la distance. Donc en gros, l'arme fait un peu moins mal. Donc c'est encore du coup une raison de plus de préférer le chasseur, puisque globalement les deux armes, je pense, ont les avantages et les inconvénients. Hop là. Bon, on est dans une ville où il y a très peu de maths, faut faire gaffe. Hop là. Pas forcément ma ville préférée pour ça. Il y a un piège en plus. Nice, ça c'est pas mal. Un petit shield, ça fait plaisir. Donc on va trouver le shotgun. Le shotgun se trouve évidemment dans les distributeurs au sol et dans les coffres, ouais, donc normal. Ah, les coffres, c'est pas certain, mais je pense que oui. Hop là. Ah, j'ai très peu de maths, j'ai pas envie de tout niquer. Hop là. On a bien fait de regarder. Hop. On a 6 murs, hein. C'est pas beaucoup. Autant qu'on se le dise. Tac, est-ce que j'ai une PM? Non, j'ai... Enfin oui, j'ai une PM, pardon, je veux dire une AR. Non, j'ai pas d'AR pour tirer de loin. Donc on va évidemment s'approcher. Oh putain, encore un mec qui a remis des pièges, quoi. Oh, oh, let's go les gars. Et ça c'est quoi? Ça c'est le nouveau shotgun. Hop là. Alors vous allez voir, ça 83 dégâts, ouais. 83 damage. Ah, il se cache le gars. Parfait, je l'avais bien soumis derrière la porte. Le bon gros campeur, tu le connais. Hop là, nickel, en prenant ça. Alors ils ont enlevé le sniper silencieux les gars, le sniper silencieux n'existe plus. Maintenant le sniper silencieux a été remplacé par le sniper normal, qui va donc faire à peu près le même effet, mais voilà, il sera pas silencieux du coup, quoi. C'est le principe. Donc pourquoi pas, ça va pas changer ma truc je pense ça, mais c'est toujours bon à savoir. Donc nerf du nerf du shotgun de guerre, pardon. Oh, c'est bizarre le son. Ah merde, il est pas bon. Ah, il a pas suivi le connard. Ah, j'ai très peu de... Putain, j'ai plus de maths du coup. Fais chier. Ça me plaît de fight comme ça, mais le problème c'est que ça nique toutes mes maths. Et dans ce mode de jeu, on a tellement pas de maths. Du coup, j'ai plus rien. Et je suis en galère. Hop là. Donc, une petite puante, un petit full à la PM pour mettre la pression forcée de mec à turbobule pour pas qu'il puisse edit back. Hop. Et encore un putain de piège. Mec, les pièges sont en sol ou quoi? Oh non, super, je voulais me heal. Rip. C'est pas grave. Nouvelle PM, parfait. On va y voir du coup la vitesse d'attaque. On va y voir la vitesse d'attaque. Cadence de tir. Ok, c'est assez lent quand même. C'est deux fois plus rapide que le shotgun chasseur, mais c'est plus lent qu'un shotgun de guerre. C'est un shotgun auto quoi, hein. C'est les mêmes fréquences qu'un shotgun auto. Sauf que j'ai l'impression que ça fait quand même assez mal par rapport au shotgun auto, on verra bien. Forcément les dégâts sont supérieurs. Oh, il m'a touché mec. Oh, j'ai zéro maths. Oh, ma sensi en plus qui avait doublé. Oh, terrible, pire truc. Oh, ma sensi qui avait doublé parce que j'ai un bouton de DPI sur ma souris. C'est vraiment un truc que je voudrais désactiver mais je peux pas. Y a pas moyen, y a pas de truc pour le faire malheureusement. Alors, on y va. Bon, là, je suis giga dans la merde. Hein. J'ai plus du tout de vie. Bon, l'arme qui a l'air ok, hein, on va pas se mentir. Elle a l'air beaucoup mieux qu'un shotgun auto en termes de dégâts. Ça a l'air de faire un peu plus de mal. Mais même si j'ai pas vraiment le temps là de checker les dégâts. Oula. Désolé, mon pote. Est-ce que t'as du heal? T'as pas de heal? Ok. Là, je cherche des bandages, les gars. Attends, y'a un mec qui me poursuit. En plus, on est en live. Y'a pas de délai, tout ça. Il peut y avoir des vilains. Hop là. Et là, il me jette une puante et je suis mort. 5 HP, ouais, c'était pas fou, hein. Parfait. Ok, bon. On s'est remis un peu d'aplomb parce que là, ça craignait un petit peu. Hop là.
Ah putain, j'ai peur de me manger un putain de piège, du coup j'ai pas envie de faire check. Non, putain de merde. Ah, j'aurais dû me guérir. Espérons que ça passe son premier kill. Ah si, c'est son premier kill, bon. Du coup, tout de suite, je vous ai mis deux parties, les gars. Une première partie où on teste un peu les dégâts en mode créatif, et ensuite un début de game qui était sympathique, qui finit malheureusement pas très bien, mais c'est pas grave. C'était des petites games, on va dire, avec où on vous cherchait la nouvelle arme. Bref, enjoy les potes et bonne vidéo. Les mecs, du coup, je vous montre simplement en créatif un petit peu les dégâts de l'arme. Regardez, donc l'arme est ici, donc 87 dégâts au même, la même vitesse d'attaque. Vous voyez que, ce shotgun là, vous voyez que en termes de dégâts, c'est la même chose, sauf que évidemment, il y a une différence. Alors le DPS, ce que veut dire le DPS, c'est surtout que évidemment, si le mec ne construit pas, etc. Mais rappelez-vous, le DPS ne tient pas compte, par exemple, des dégâts dans la tête. Là, par exemple, les dégâts dans la tête, c'est 2,25. Donc ça fait très très mal. Il peut faire jusqu'à 185 dégâts. Vous voyez qu'on reconnaît le shotgun. Je trouve qu'on reconnaît un petit peu le shotgun quand on recharge le shotgun normal. Ça se recharge balle par balle, donc c'est un peu moins bien en rechargement que le shotgun lourd. Donc là, si on se met là et qu'on essaie de tirer dessus, vous voyez qu'en termes de loin, c'est pas la folie, quoi. De loin, c'est ok, mais ça fait quand même beaucoup moins mal que le jeune chasseur de guerre qui est beaucoup plus douloureux de loin par rapport à un chasseur. Hop, on voit que c'est à peu près la même chose. Donc là, si on se rapproche, alors Faria, c'est qu'il va me tuer assez vite, mais bon, peu importe. Donc 61, 33, 40, 70. Et du coup, voilà, ça vous permet de voir un petit peu les dégâts. Donc moi, personnellement, je trouve que le shotgun, c'est intéressant qu'il l'ait mis parce que ça va permettre de rajouter plus de shotgun à trouver jouable dans la game. Parce que quand vous allez trouver un shotgun, du coup, il y a des grandes chances qu'il soit du coup jouable. L'intérêt toujours pareil, vous pouvez construire, éditer, etc. L'arme a l'air, ouais, dans le corps, les dégâts sont faciles à sortir, hein. Ça part très très bien si on tire un peu à côté. Les dégâts sont quand même colossaux, même quand on tire un petit peu à côté du joueur. Donc je pense que globalement, l'item va sûrement être pas mal joué. À voir, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que l'arme va être jouée ou pas? Est-ce que vous pensez que le nerf des shotguns de guerre va changer grand-chose? Est-ce que vous pensez que ça va rien changer, hein, et que les gens vont toujours le jouer autant? En termes de scope, vous voyez que ça, quand on est zoomé, ça fait très très mal. Et n'oubliez pas aussi, les gars, le code Creators Card si vous voulez me soutenir. Et du coup, à la fin, avec la vidéo de fin de saison, eh bien, on tirera au sort tout simplement pour le gagnant de la console de la saison 9. Donc voilà, si ça vous tente, la précision inéluctable du shotgun. Et donc, voilà ce que j'en pense un petit peu de ce nouveau shotgun. Je pense qu'il va être joué, je pense qu'il va être sympa. C'est cool qu'il y ait un nouveau shotgun quand même. Personnellement, je préfère quand même le shotgun chasseur et le shotgun de guerre. Mais voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. Merci à vous et merci à ceux qui mettent le Coscar. A bientôt et ciao ciao. Dommage, j'ai niqué son piège, on aurait pu récupérer un piège histoire d'être large. T'as vraiment pas de vie, hein. Bon, j'ai pas niqué mon piège, mais là c'était juste pour le faire chier. Comme il campait ses grands morts, je me suis dit si je fais ça, il va être bien déçu, je pense. Parfait. Tac, tac, tac. Donc là, il y avait rien, j'imagine. Ouais. Alors, faudrait que je trouve du shield et des structures. Donc récupérons des shields et des structures, les gars, parce que sinon, à chaque fois, j'en manque et c'est la merde. Hop là. Vu qu'on n'est pas en mode sensu, hop. Bon, je n'aime pas du tout niquer mes pièges pour des mecs pas bons. Parce qu'après, j'en ai pas dans les mecs contre les mecs chauds. Mais là, je pense que c'était assez marrant de se dire que le mec campe avec un piège. Et du coup, je suis avec un piège. Je pense que c'était plutôt adapté. Et surtout, j'ai pas de shield, donc je peux quand même mourir en vrai. Hop là. Il me reste 4 murs, hein, c'est la merde. Hop là. Et il fait le tour, enfin j'ai un shotgun de merde. Oula. Il y a 3 mecs. J'ai du shield, ouais j'ai 30. Ouais, c'est pas la folie mais c'est déjà ça. J'ai 0 structure. Bon, un français évidemment.
On n'a pas de délai, c'est pour ça qu'il y aura forcément beaucoup de vilains. Hop là. Et un français aussi. Ok. Merci pour le sub, bro. Bien, 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 toi. Nous, bon, on va le retrouver, bro. On va le retrouver encore. J'ai plus de maths, c'est la merde. Je vais mourir les gars, j'ai plus qu'un mur, ça casse les couilles. Oh, il a encore du shield en plus. Je sais pas où il est. Oh non! Terrible! Le piège est pas passé au bon endroit, je suis deg. Arrête de me niquer mes maths, putain! Joue! Dans la zone et tout, oh les gars, c'est un enfer. On va die, hein. J'ai zéro maths et il est reparti camper le petit bâtard. Ah, dommage.